Oui! C'est ainsi que commence notre jour 2 en direction de... Achouap-Mouchouane. On est dans la réserve faunique Achouap-Mouchouane sur la route 167 en direction de Chibougamau. Un rêve qui devient aujourd'hui réalité parce que, on le sait tous, tout le monde a déjà rêvé d'aller à Chibougamau. C'est clair. C'est le nord du Québec! On va être pour ça, la... Ça, les gens y ont rêvé assez. Ils savent juste pas que Chibougamau, c'est le nord du Québec. Pour la première fois de notre vie, on va être dans la région du nord du Québec. Ça, c'est excitant. C'est vrai que c'est excitant. Là, on est de plus en plus seul sur la route. Dans la réserve, on va peut-être arrêter pour boire une petite chute. On en a pour 2-3 heures de route. C'est pluvieux, mais... Il y a des éclaircies. Et on est dans un environnement de plus en plus coniféreux. Je l'attendais, celle-là. Mais là, c'est important d'inventer des mots. Coniféreux. Check ça, c'est clair. La route est belle en plus. Les gens nous disaient que c'était une route vraiment, vraiment pas belle. Puis en tout cas, jusqu'à date, ça fait quoi, une trentaine de minutes? Je t'ai parlé, les gens nous disaient... J'ai demandé à Roger au bureau, il m'a dit « Ah, c'est affreux, c'est ta voiture! » La fille au mic, c'est que... Les gens nous disaient... Jérôme s'imaginait que la route était pas belle. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité dans ce jeu. On roule? On roule! Vers le nord! Excité, il y a juste un ultramar. Arrête, c'est excité. J'ai jamais été aussi excité de toute ma vie. Chibougamau, venant de Chibougamau. Chibougamau. Rivière qui traverse le lac. Pourquoi on dort pas à cet hôtel-là? On est rendu, mes amis. Bienvenue à Chibougamau. On est maintenant à 700 km de la maison, dans cette ville qu'on a si souvent entendu le nom. Nom de ville si souvent utilisé pour dire qu'une personne vient de très loin. On y vient en passant soit par l'Abitibi, soit par le lac Saint-Jean. Et après pas mal de routes, on arrive finalement dans cette petite ville de moins de 10 000 habitants. Une ville au passé marquée par l'exploitation des ressources minières. Principalement au début du 20e siècle, quand on commence la prospection. Dans les années 30, Chibougamau fait l'objet de prospections intensives et une communauté de mineurs, de trafiquants d'alcool, de prospecteurs et de géologues y vivent à l'écart de toute loi et de toute autorité policière. Déjà, le campement minier compte environ 1000 habitants. Il faut par contre attendre 1949 pour qu'une route en gravier praticable à l'année relie Chibougamau au lac Saint-Jean. À date, notre visite de Chibougamau se passe plus rapidement que prévu. On avait plein de petits sentiers, mais des fois, c'est pas super invitant. Tu sais, c'est grisâtre, grisonnant. Les sentiers ont pas l'air si nettoyés que ça. Étant donné qu'on est habitué de se promener un peu n'importe où, je sais pas, de faire beaucoup de sentiers, ça nous donne moins le goût. Vous voyez, ça c'est le stationnement, là. Fait qu'on est pas mal tout seul. C'est pas que ça fait peur, mais c'est comme moins tentant. Alors, bon, on va passer à un autre sentier qui était écrit sur notre itinéraire. En essayer un autre. Parce qu'on veut quand même vraiment, là. Ouais, c'est pas de la poudre aux yeux. C'est une réelle intention de faire une randonnée dans le coin de Chibougamau. On a beau essayer. C'est impossible. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus des sentiers de raquettes. Là, ici, ce que vous voyez, c'est plus défriché, mais aussitôt qu'on s'avance, ça se referme pas mal. Là, surtout que... Tu sais, il est... Oh, le tonnerre. Ça, c'est du tonnerre. La vie nous teste. Bon. J'aime ça dire ça. Hey.
Hey, si vous n'êtes pas sûr de votre couple, venez à Chibougamau. Vous allez le savoir de quel côté ça penche plus. Genre oui ou non. Nous, c'est non. Clairement. C'est le dernier voyage. On retourne sur le pouce. OK, là, je vais mettre mon import. Fait que là, on a marché 200 mètres. Ow! Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on fait ici?